Destination Île-à-Vache. Au milieu d'une nature douce et calme, au large de la ville d'Écaille, s'étend l'Île-à-Vache. Une île enchanteresse et intacte qui doit son nom à l'immense quantité de vaches qui y rôdent. Elle a une population de plus de 10 000 habitants, dont une partie se trouve dans la capitale surnommée Madame Bernard. La majorité des habitants vivent essentiellement de la pêche, de la culture, du commerce en résultant et du transport maritime. À côté du manque d'infrastructures, cette belle île caribéenne offre pourtant un charme naturel entre du sable blanc et une mer turquoise, des manguiers à profusion, des plaines et vallées jalonnant sa partie ouest. L'Île-à-Vache retrace aussi l'histoire des pirates, comme celle du fameux capitaine Morgan, dont le navire coula non loin de la baie Ferret, un port naturel en eau profonde. La végétation saine et envoûtante de cette île héberge en outre deux hôtels modernes, dotés de chambres confortables. Des bungalows pour les invités, des moyens de communication, un bar et un restaurant servant la fine cuisine haïtienne et française. C'est un endroit qu'on ne trouve plus du tout dans les Caraïbes, c'est fini. C'est le dernier endroit, c'est le seul qui reste. Et Port Morgan se trouve implanté dans cet environnement-là, en essayant de respecter le plus possible la nature, quelquefois même en l'améliorant, et puis en intégrant ces constructions et ces chambres de modernes, ces chambres de valeur 3-4 étoiles, dans cet environnement, en offrant le maximum de services en l'état actuel. Alors je dois vous dire que le service est extraordinaire, impeccable. Un service 5 étoiles. Vous avez le petit déjeuner, le déjeuner, vous avez le souper, il y a un divertissement le soir, vous avez un restaurant extraordinaire, un restaurant splendide, avec des mets succulents, supervisés, s'il vous plaît, par M. Fernand Sajous. Et vous savez que l'Île-à-Vache, c'est l'île du trésor. Alors, il faut aller à la recherche du trésor. Les visiteurs peuvent aussi profiter des tours et excursions à pied, à cheval ou en bateau, pour explorer les environs, ainsi que des îlets voisins, ou se rendre jusqu'au saut Maturin, une chute d'eau magnifique située dans la région de Campurin, en passant par la ville d'Écaille. D'autres excursions intéressantes peuvent vous faire découvrir des sites pittoresques, comme les plages enchanteresses de Port-Salut, ou vous emmener vous détendre dans un hôtel moderne de la région, puis retourner sur l'île pour y pratiquer un peu de sports terrestres et aquatiques. Il est tranquille, c'est tout étranger qui vient pas boire ici, qui remet pas boire ici. C'est l'endroit idéal pour vous amuser, vous reconnecter avec l'environnement naturel et vous relaxer en toute quiétude.